Ça va entrer en traite avec le chlore et ça peut servir le malade et les patients. Parce que sur ces milliers, on a des sérieux problèmes de l'eau. Donc, c'est un peu ça. Non, le gouvernement tente à faire quelque chose, mais ils ont fait un travail. Une fois mignon. À partir du fleuve, parce que là, Voilà, on est arrivé chez Brady, le dispensaire Cœur Soleil de la Fondation ECA, avec ce véhicule. Voilà, sur ces chemins, quoi. La fondation ECA. Bonjour chers amis, je suis le docteur Brady Bolembo-Pierre. Je suis ravi de vous parler encore de nouveau aujourd'hui. Leur père qui a beaucoup travaillé avec l'association Cœur Soleil. Et je suis l'un des anciens jeunes de leur père. Et j'ai passé des temps à leur père. Grâce à vous, le parrain et marraine, avec le comité des parrains, monté par l'association Cœur Soleil, que nous avons arrivé à tenir le coup. Premièrement, avec notre formation comme infirmier pendant 3 ans, qui a pu terminer avec du succès. Vous nous avez fait confiance. Vous nous avez donné cette occasion, cette opportunité de poursuivre nos études de médecine. En 2016, vers le mois d'octobre, j'ai passé des moments avec vous. Je vous avais expliqué ce que je fais, c'est-à-dire d'abord devenir médecin. Mais en cachette, je vous avais parlé de la Fondation ECA. La Fondation ECA qui va militer dans 3 axes, c'est-à-dire la Fondation ECA va travailler dans le secteur de santé. La Fondation ECA va travailler dans le secteur social. La Fondation ECA va travailler dans le secteur de l'éducation. Mais moi, en tant que manager principal de la Fondation ECA, j'avais bien préféré de démarrer avec le secteur santé, vu la souffrance que vivent le peuple congolais, surtout précisément dans des banlieues, dans des quartiers reculés. Alors, nous avons pu discuter dans une réunion avec le comité des sages. Nous avons décidé de démarrer ces projets dans ces locaux que vous allez voir, nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts. Alors nous avons décidé de commencer cette aventure. Et nous avons eu beaucoup de difficultés, mais nous avons toujours eu le courage. Comme disait Hélène, Hakuna Matata, pas de souci. Mais nous avons eu ce courage. Nous avons fait quelque chose. Aujourd'hui, on est médecin,
nous voulons donner ce qu'on a appris, soigner les patients, soigner le malade, soigner la population, créer le développement durable dans le milieu reculé. Moi, je pense que si nous voulons changer ce monde, je pense que si nous apprenons aux gens le développement durable, si nous venons auprès des gens, les opprimés, nous pouvons changer ce monde, à chacun de nous. Alors, la Fondation EK a commencé comme des aventures. Et j'ai préféré de parler des dispensaires Cœur Soleil. Voilà, aujourd'hui, le dispensaire Cœur Soleil est en train de se réaliser. C'est un grand défi pour nous. Mais vous savez, la nerf de guerre, c'est l'argent. Nous avons fait tout à notre niveau. Et aujourd'hui, nous avons des problèmes financiers énormes. C'est ainsi que je lance un SOS à vous, le personnel de bonne volonté. Si vous voulez sauver des populations dans de milliers reculés, parce que moi, mon cheval de bataille, c'est d'arriver à apporter le développement durable dans le milieu reculé. Et un jour, qu'eux-mêmes puissent développer leur contrée, leur commune, leur banlieue. Je pense que si chacun de nous se met, nous allons y arriver. Votre aide ne sera pas tombée dans l'eau ou dans des pierres, mais ça sera tombé entre les bonnes mains. Nous allons sauver les visiteurs. Plus tard, nous arriverons à créer une école. Une école, c'est pour éduquer les enfants, surtout les filles. Éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Alors si aujourd'hui, dans des milliers reculés, il y a l'accessibilité aux soins médicaux, il y a l'accessibilité avec l'éducation, et il y a une bonne condition sociale, je pense que demain, notre avenir sera meilleur. Je vous en supplie, la confiance que vous m'avez fait durant 11 ans avec vous, vous avez toujours su m'accompagner, que ce soit dans des difficultés, que ce soit dans le meilleur. Je vous demande aujourd'hui de me faire cette confiance, de faire toutes les CIA de la Fondation EK cette confiance-là, pour que nous puissions achever cet bâtiment. Nous devons achever cet bâtiment et nous puissions sauver nos vies humaines. Nous avons deux projets, c'est-à-dire faire ce bâtiment qui va servir de dispensaire et l'autre bâtiment qui servira de bureau. Je suis de même cœur avec vous et je vous salue, je vous embrasse tous. Votre ami, Dr Brady Eyinbu-Olumu. Je vous adore. Super. Je m'appelle Didier Mutumosi. Je suis superviseur du travaux de l'hôpital de Fondation Cœur Soleil. Bon, nous avons commencé le travail, mais parfois on a des difficultés de bien travailler ici, surtout nos difficultés et premièrement pour avoir du sable et puis des caillasses, de l'eau. Parfois, on manque les possibilités pour accomplir ce qu'on a commencé pour ce projet de l'hôpital ici à Sangamaba. C'est pourquoi nous demandons à tout le monde, à toutes les personnes de bonne foi, de nous aider. Puisque nous avons l'objectif d'aider nos frères et sœurs qui sont dans les besoins dans ces quartiers reculés, qui cherchent de l'aide sur le plan médical. C'est pourquoi nous cherchons de telles personnes à nous aider. Et surtout, dès que les travaux de cet hôpital doivent terminer, nous sommes sûrs que Dieu va mettre la main dans la pâte pour que les gens puissent avoir ce qu'on a besoin. Je me présente, je suis Abedi Chomba, contremaître de chantier. Moi, je m'occupe de la projet de la construction de bureau. On a le même souci avec mon collègue qui vient de parler. C'est ça. On a vraiment besoin de votre soutien.
Bonjour à tous. Je suis docteur Eureka, membre du conseil d'administration de la fondation ECA, fondation de docteur Brady et Yulu, qui est mon confrère. Et nous sommes là, nous sommes tous là pour le soutenir dans ce projet qui est celui de promouvoir la santé dans des milieux très reculés où les enfants et pratiquement toute la population n'est pas capable de s'offrir de soins de qualité à un coût réduit, bien sûr. Et nous interpellons toutes les personnes de bonne volonté qui veulent bien nous aider à accomplir ce projet, de ne pas hésiter à mettre la main sur la pâte pour nous accompagner dans ce projet. Et merci d'avance à tous ceux-là qui voudraient bien nous aider pour l'accomplissement de notre projet. Bonjour tout le monde, je suis Merveille Séa. Je suis Merveille Séa, secrétaire chargée de la finance de l'association ECA, qui est le docteur Brady, qui est les responsables. Je suis venue devant vous pour demander un soutien financièrement pour aider la population de ces quartiers. Parce que c'est un quartier reculé où les gens sont en train de souffrir. Nous avons besoin d'une aide pour que l'association puisse avancer. S'il y a moyen, vous pouvez nous soutenir. Merci d'avance. Ici, c'est la salle d'observation. Attention. Donc, c'est là où on va hospitaliser le patient. Ici, on peut avoir une capacité de 4 lits. 4 lits? Oui, les adultes. Voilà, ok. Donc, on va plus placer les adultes de ce côté. D'accord. Puisque ça, c'est un dispensaire. C'est pour les cas graves, ça. C'est pour les cas graves, parce que c'est un dispensaire. Si nous avons un cas qui nécessite l'observation, d'où on peut garder le patient ici. Donc, on aura les lits, on aura une petite armoire. Bon, ils sont là, observés, on le suit. Maximum 5 jours. Si c'est un cas qui nous dépasse, et on transfère. Voilà. Parce que nous ne sommes pas un centre hospitalier. Voilà, donc, c'est un centre de santé. C'est un dispensaire. C'est un dispensaire, tout à fait. C'est un dispensaire pour le tout à fait. Alors, dans ces bâtiments, ici, ça sera de ce côté une petite salle d'observation pour la pédiatrie, pour le bébé. D'accord. Donc, les enfants. Mmh. On ne peut pas mélanger les enfants et les adultes. Mmh. Alors, les salles de soins. Et on va les diviser aussi avec des boxes en triplex. Et de l'autre côté, ça sera le bureau de consultation pour les infirmiers. Donc, dès qu'on aura réussi un cas, on va donner le premier soin de ces côtés. Et s'il s'agit, ça nécessite une consultation infirmière, on le prend de l'autre côté. Et ici, vous voyez, ouais. Donc ici, ça sera une petite salle de réception. Donc, c'est par ici une salle d'attente. Voilà, c'est ça. Et de l'autre côté, donc quand on fait comme ça, ça sera la pharmacie et la caisse. D'accord. Donc, si on fait les formalités, on paye de l'autre côté là-bas. Donc, là, on va casser une fenêtre. D'accord. Et il y aura une fenêtre. Il y aura une fenêtre. Qui ouvre donc sur la parcelle à l'intérieur ou à l'extérieur? Non, ça ouvre à l'intérieur, ça va s'ouvrir, voilà, comme ça. À l'intérieur. Puisque je vais vous expliquer les travaux qu'on va faire là-devant. D'accord. Puisque papa Didier, il avait expliqué qu'on doit vraiment faire un gros béton. Nous construisons encore,
et on va écrire, voilà, Garcelet. Donc l'entrée du dispensaire, c'est par ici. C'est par ici. Voilà, c'est par ici. C'est les sables qu'on vous a dit. Nous allons acheter dans, à, je dirais, 5 km d'ici. Donc, une benne, c'est dans des $150. La difficulté, c'est plus le route. Puisque pour faire tous ces travaux, il faut à chaque fois payer le route. Et c'est papa Didier qui part souvent chercher ces histoires. Et quand ils ont, c'est nous-mêmes qui fabriquons des blocs. Et voilà les blocs qu'ils fabriquent. Voilà, ça c'est ce bien. Sont les blocs qui nous servent à construire. Parce qu'il y a des difficultés, des lots, il y a des ceci, cela. Si nous achetons des blocs chez le vendeur, on n'est pas sûr de qualité. Nous aimerons nous-mêmes que nous puissions fabriquer et en servir. Ok. Ok, c'est bien. Et là, c'est la maison qui va nous servir de... Voilà, et là, c'est les bureaux. Les bureaux. Qui va nous servir de bureaux. Et vous avez vu ici, ils ont troué. C'est-à-dire, ils vont faire des grands bétons qui va se relier avec la charpente. Et il y aura un petit véranda ici. D'accord. Donc, des patients qui ont des plaintes où il y a des incompréhensions, ils peuvent venir ici. Ici au bureau. Et ils peuvent exposer leurs problèmes au manager. Voilà, ça. Et je peux éclaircir. Mais s'il s'agit de personnel, là, ils peuvent entrer à l'intérieur et on peut. Et puis avoir un espace de repos de travail. De repos et de travail. Donc, voilà. Le bureau, c'est juste une petite conception. Donc, nous avons une salle là. Et là-bas, ça sera un petit lieu de cuisine où on va manger. Mais on aura à faire des réunions ici. Et vous voyez, on a séparé à deux. De l'autre côté, ça sera les bureaux où le manager principal va commencer à travailler. Mmh. Combien de personnel tu penses que ça va nécessiter d'embaucher pour que ce dispensaire fonctionne correctement? Bon, on aura besoin de 2 laboratoires pour les laboratoires. Et on aura besoin de 4 infirmiers. On aura besoin d'un sentinelle et on aura besoin d'une personne qui va s'occuper de l'entretien propriété. Donc, ce qui me fait une affaire de 9 ou 10 personnels. D'accord. Dans un premier temps. Donc, tu participes à la lutte contre le chômage? Oui, le projet, nous participons à la lutte contre le chômage. Nous participons aussi pour le développement durable de l'homme, d'une manière ou d'une autre. Mettre un pot de fleurs là et pour protéger à partir d'ici. Oui. Hein? Pour protéger la fondation. D'accord. C'est donc ici l'entrée du dispensaire. Oui, c'est l'entrée. Voilà. C'est l'entrée. Donc c'est par ici, on aura l'entrée. Voilà. On aura l'entrée comme ça. Donc c'est fil ici, on va l'augmenter. Voilà. Donc nous allons construire à partir de là. On met une ceinture, on construit encore en haut. Et on va écrire République démocratique du Congo, Fondation EK, tout et les différents services. Mais l'entrée des malades, sera ici. C'est ici. L'entrée des malades, c'est ici. C'est ici. D'accord, formidable. Okay. C'est le tout dernier exemple que je devais. Voilà, parfait. Puisque ça, cet exemple, ça n'allait pas. Eh bien, oui. On va chercher à l'étonne.